Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle aventure d'un boucher. Mais on va être en Allemagne les amis. Et oui, Norwegian Marsh, sans pour la map, sans les fossés, la OG. Oh god, je ne sais plus du mot là, mais c'est ça qui est ça les amis, je me lance. On va tout expliquer ça en jeu. Les quelques modes. Et oui, c'est parti. Je vais essayer de vous en refaire une petite série, les amis. J'attendais une map. Il y en a qui étaient impatients. Ça faisait un bout que je n'avais pas fait de vidéo. Là, je vous en fais une. On va commencer les choses une à une. Ça faisait un bout que je vous en avais pas fait. J'ai eu des soucis de PC. Je les ai réglés. Par le fait même, j'ai tout perdu mes choses pour faire des vidéos. Mes intros et tout ça, il a fallu que je refasse tout ça. Ça me tentait pas. Des fois, j'avais le temps, des fois, j'avais pas le temps. Tu sais, on a le boulot aussi. Hein. Des fois, les congés, ils passent vite. En tout cas, c'est pas que je me plains pas. Là. C'est que je manque des fois de temps, malgré que j'ai des congés assez souvent. Mais parfois, on manque de temps. En gros. Là, sur le 22. Bon, le 22. Oh, ça fait comme à tous les opus, je m'attendais que ça allait changer. Je préfère lui à l'autre. On va mettre lui. Puis, quel autre? Oh tiens, on prend lui. Un grec. Ouais, ça fait comme à tous les opus, les amis. Là, j'ai parti avec 1 500 000. Comme vous le savez, j'aime pas cheater. Alors, on va prendre l'argent qu'on a tout. Je vais même prendre le prêt. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, que ce soit sur FS17, FS19, ça a été pareil. Ça m'a pris... À toutes les fois que l'opus a sorti, ça m'a pris un 6 mois à me rembarquer dans le jeu. Puis c'est ce qui est arrivé aussi avec le 22. J'ai joué quand même pas loin de 200 heures. Faudrait en regarder, mais ça joue dans ces entours-là. Ou même 300 heures, je pense que c'est 300 heures. Mais c'est ça qui est ça. Puis j'avais pas de carte qui me tentait. Plus qu'il faut. Ah, il y a vraiment tout à numéroter les champs. Ah ben, le magasin est là. On va installer la firme 4, 5, 200. On va acheter ces trois champs-là, les amis. On va commencer avec ça. De toute façon, les champs, je vais en acheter assez vite. Ça, c'est un 500 000. Je ne l'achèterai pas tout de suite. On va acheter le champ 4. Champ 5. Champ 6. On a déjà 500 000 de flambé. Et la petite parcelle, ça c'est... Ah ouais, ok. On lâche pas tout de suite, celle-là. Bon. Avais-tu de quoi de prêt? On va essayer de faire des missions. Je vais vous faire une série comme j'aime bien vous faire évolutive. Ça c'est récolté. On va s'acheter un tracteur, puis on va aller... on va s'acheter un tracteur. J'aime faire une partie évolutive, alors attendez-vous à voir des épisodes. Mais ça va être sur ma map mythique, j'y joue depuis le 17. Lui, il y a combien de force? 275. Avec quoi je vais tirer ça? Tirer ça avec ça. Et pourquoi ça ressemble? Les achats, je vais vous les faire en vidéo. Achats-vente, on va faire ça en vidéo. Ça, c'est sûr et certain. La job, on va la faire hors vidéo. On va peut-être acheter un... Ouais, on va acheter ça. On va commencer avec ça. De toute façon, on va commencer avec des petits champs.
tracteur. Un tracteur. Ah, il y a le Fiat, c'est vrai, le Fiat. Je sais pas s'il y a un beau son. 180 chevaux. Il va être court un peu. Un petit fan. Un petit fan. Configuration des roues. On va mettre la masse des roues. Ouais, ouais, ouais. Les équipements. Besoin d'attache avant, chargeur, je vais en acheter un autre. Configuration du moteur, 265 forces. Commencez avec ça. Avec pas de plaque. Excusez, mais je les aime pas, les plaques. Ils ont pas le style américain, mais bon. Voilà. Tiens, on va commencer avec ça. 220 000. On va commencer avec lui. Puis on va discuter dans cet épisode, les amis. On va discuter. Ah, il apparaît. Il a complètement revu sa façon de faire. On ne devrait pas avoir besoin d'acheter de. Ouais, c'est comme je vous disais, les maps. J'attendais. J'étais encore sur le 19. J'avais encore justement à finir la NF marche. Hop, j'ai oublié de changer les paramètres, les amis. On va regarder le trafic. Ça, c'est course play. Encore des courses? Ah ouais, je ne serais pas supposé. Il a gardé mes courses parce que j'avais fait une partie. Bon, ils effaceraient quand ce serait le temps. Mode saison. On va essayer, ouais, le mode saison. On va l'essayer. Puis je vais le désactiver. Ça, c'est misère. Ah, je suis un peu perdu, je fais un bout que j'ai pas roué dessus. Bon, c'est ça que je voulais. La partie, sauvegarde, temps réel. Normal, trafic routier, saison, on va le laisser. Un jour par mois. Mois visuel fixe. Neige. On va laisser le mois de saison. Destruction des cultures, non. Laboratoire, oui. Pierre dans les champs, oui. Chaux requise, oui. Mauvaise herbe, oui. Salissure, standard, démarrage automatique. L'ouvrier, on va tout mettre, non. Comme ça, ça va être fait. Hein? Ça va être fait. Bon, c'est comme je vous ai dit, comme à chaque nouvel opus, je l'ai essayé. Hein. Mais je l'ai pas aimé plus qu'il faut. Alors, je vais retourner vite sur le jeu. Sur l'ancien, sur le 19. On a de l'herbe, on va se faire de l'herbe. Là, pour le débuter, on va essayer de vous faire un ou deux épisodes. Mais pour en venir, je vous ferai pas deux, des fois trois épisodes par semaine. Je vais essayer de vous en faire un. Merde. Je vais vous en faire un par semaine. Je vais vous le mettre le dimanche.
ligne. Hein? C'est quoi là? Activer le guide, aligner, inverser, afficher les lignes. Ouais. C'est la ligne rouge que je veux pas. Ça fait drôle de jouer avec le mode avec la map. Sans fossé, j'ai toujours joué ça avec fossé. Je la trouvais plus belle. Bon. Et oui. Bon, ben, sur ma map, j'adore cette map, je la connais par cœur. Là, il y a une usine dessus. Il n'a pas 50. Il y a juste l'usine de. Ben, il y a quelques usines. Là. On peut faire nos engrais, on peut faire nos semences. Après ça, on peut faire. Et on, dans le silage, on peut faire aussi sécher notre foin. Il y a des silos. Je jouerai pas avec les modes externes sur cette map-là. Je vais jouer juste avec les modes et maps de la map. La crise de ligne rouge qui me fait chier. J'espère que vous allez apprécier cette série. Le pourquoi, c'est maman. Je sais pas pourquoi, mais j'adore cette map. J'attendais soit des maps américaines, soit des maps, ou même une map européenne, puis tout, là, mais il n'y a pas grand-chose présentement. Ça a toujours été ça sera toujours ça. Quand il y a un nouvel opus qui sort, il n'y a jamais vraiment de choix de map. Et j'en veux une aussi qui a du sens, qui est pas buggée. On pourrait aller acheter du matériel. Hein. On pourrait mettre l'ouvrier. Mettre l'ouvrier, puis. On reviendrait finir. Je finirai. Comme je vous l'ai expliqué, les amis, les achats, je vais les faire en stream et non hors stream. Je vais finir la job quand il va y avoir des choses à finir, comme mettons un labourage de champ, je vais le finir hors ligne, ça, ok. Mais j'aime pas suivre, justement, il y a plusieurs youtubeurs qui sont plates à suivre. Là. Ah, il veut pas. Ah, Robin. Ouais. Il veut pas.
Ouais, bon, faudrait que je m'en remette à ça, hein? Je m'en souviens plus. Bon, ben, je vais être obligé de travailler. L'ouvrier veut rien savoir. Puis là, le course-prix, je m'en souviens plus. Excusez. Au pire, je finirai en ligne. Matériel. Je vais m'en remettre au course-play. Il n'est pas large, mais c'est pas grave. Colin, excusez les amis. Faucheuse. D'honneur, moi j'adore. Hein, je ne l'ai même pas mis. Je ne l'ai pas. Hein, mon deux rangs, je ne l'ai pas. Bon, et lui. Les gros, ils n'aiment pas. Ils prennent trop de place. Après ça, le faneur. Il y a 6. Une balle. Je pense que c'est ma moins chère. Elle peut tout faire. Mais 78 000. Ça m'en revient moins cher qu'à racheter la rubaneuse. 30-52, je sauverais un peu. Même acheter ça, ça serait pas pire. Je peux faire les deux sortes. On va acheter ça. Les balles rondes, là. Les ballots, on va en avant. Pour se faire un peu de revenus, c'est sûr et certain. Chargeuse, pas drôle d'acheter la petite à 30 000. Je sais pas si je vais m'en servir tout de suite. En tout cas, on verra. Ça, c'est quand même pas pire. Dans l'équipement, faut que je regarde pour l'équipement forestier. Parce qu'il va falloir que j'achète coupe d'affaires. Ça, c'est correct, ça, c'est correct. Ça. Là, on va se faire une benne. La petite classe. Ça, c'est une 4.9.
mis grand-chose. Un ben, là. Pas mis grand-chose. Une petite me pue, mot pue, mot pue. Va nous en falloir un autre tracteur, les amis. Et pas eu le bonne place. Il va nous falloir une moissonneuse. La moissonneuse, j'ai pas mis. J'en ai une coupe de belles grosses. J'ai le Toscano, 348 000. C'est dommage, cher. Elle est à 263, c'est une 11 000 litres. Elle, c'est une. Ah, ouais, une John Deere. Je pourrais prendre 205 000. Je pourrais prendre de base, puis. Ah, il y a celle-là aussi. 7 000. La Toscano, 11 000 litres. C'est un mode. On va y aller avec la John Deere. 7 000 litres, on va y aller ben. Ah ouais. Je pensais qu'il y avait l'Europe, celle-là. Ça vient de me mêler, ça. J'ai tué les remorques. Quelle remorque? Il me parle de remorque. T'as du Nardi. Non. On va y aller. Ordinaire. Standard. Configuration du moteur. On ne l'augmentera pas tout de suite. La buse. On a une petite remorque. Axe arrière. Non. Système de guidage. Oui. Ça, non. T'as 93 000. Oh, bah, c'est pas si pire. Avec deux barres de coupe. Cinq cinquante. Tu les bords de coupe pour le 5,50? Ben non. Trop gros. Hey, c'est du 12 mètres, ça. Ça, c'est du 9 mètres. 6, 9. Bon, on va acheter du 9 mètres. Hein.
un silo. Chariot de bord de coupe. Il tient un peu. Ça a l'air petit, un trou. Excusez. Acheter deux. Ils vont prévoir quasiment un autre tracteur. On va acheter un autre moyen. Parce que. Standard. Configuration. Ah, il a déjà rendu. Non, lui, je ne mettrai pas de système, lui. On va sauver 15 000 piastres. Ah, elle n'avait pas acheté, maudit tétard. Je l'ai pas acheté. Mais je sais pas si dans mes gros. Mais pour commencer, les 200 forces de moteur, j'en ai en masse. J'ai pas grand-chose, hein, gros. J'ai du John Deere en masse. Et du gros tracteur, ouais. En mieux d'acheter dans le moyen. Non, on va acheter Fiat à la place. Alors, les amis, j'ai trouvé de faire une petite coupure. Je suis revenu. Chargeur avant, oui. Store, oh, oui, c'est correct. Pré-filtre. Configuration, c'est un avant. Ça va être beau de même, lui. Bon, ben, on va racheter pas mal d'équipement. Pour cette partie, je pense que il en reste encore, mais là il faut que j'achète un silo.
Voilà, ferme. On va s'acheter un silo parce qu'il va falloir mettre un semoir aussi. Non, il n'y a pas de bacon, il n'y a pas de strobe. Non, il y en a un sur le trailer. Sur le trailer, sur la remorque. On va se placer un silo. Voilà, pas là. C'est sûr qu'on va placer le silo de l'ANF. Oui, 1,2 million. Non, 1,2 million. Lui, t'as 225 000. Hein? 200, 2,6 millions. 800 000 sont trop gros. Pas capable de le placer. Ah, ok. Enter marchait pas, les amis. La production, c'est ce qu'il y a sur la map. J'ai rajouté ça ici pour les bêtes, les betteraves. Mettre de la betterave puis de l'eau. Ça nous donne du lisier puis des rejets pour les betteraves. Si je n'en fais. L'usine qu'ils ont mis, une autre usine, là, ils ont mis la scierie. La dernière est sortie cette semaine, c'est la scierie. Là, faut que j'arrête les semoirs, puis je pense qu'on va se laisser là-dessus. Je pourrais vous présenter les autres modes. Lui, ceux qui ont déjà joué sur le 19, sur les anciennes versions, vous avez pour les semences. 195 000, on va se l'acheter. Après ça, on a la fabrique de diesel. Elle fait du manger à cochon, puis du diesel. Après ça c'est le bois pour passer notre diesel. Il faut des palettes. Parce que la scierie, j'aurais pu vous la présenter, tant qu'à. La scierie, elle fait des palettes, carton. Du OSB, puis des bradeurs. Ça ressemble à du carton. Là. À l'œil, ça a l'air du carton. Il va falloir se faire des copeaux. Ok. Diesel, ça. Après ça, il y a un point de vente aussi. Là, pour nos produits. De la fabrique à cochon et à ration mélangée. On a notre silo pour faire notre ensilage. Après ça, on a ça ici pour faire notre engrais. Ben, il me reste ça à acheter. Point de vente, on a un point de vente. Point de vente, vendre nos produits du bois. On a ça. Il est quand même pas si pire pour tout vendre nos produits. Je sais pas si les produits sont bien payants. À date, tes points de vente sont pas. Oh, c'est pas si bien pareil. Beaumarte. Palette. Ah, ça va s'en venir, ça. Les pierres, pas payant. La chaux, tu payes au moins? Oh, ouais, pas plus que ça. Ah, ouais, du mobilier. Ouais, des planches. 1400. Ouais, ça va valoir la peine. Ça, c'est tous les produits, mais je jouerai pas avec les autres usines. Là. Je vais jouer juste avec les usines de l'ANF marche. Bon, silo est mis. Le silo est mis. On va s'acheter pour le sommaire.
Samoa. Des chômeurs. D'accord, assez cher. On va s'acheter deux Samoa. Maximum. Et c'est un 6 mètres. Et monsieur, c'est pas large, hein? C'est pas large, les amis. Ça, puis ça. Ah ouais. Les moyens trop. Lui c'est 120 000, il fait juste rien, combinaison. Ça c'est la masse. Ouais. Je pense que je vais prendre lui pour commencer. Non? Ah, avec ça, puis ça. On va y mettre du poids en avant. Acheter. On va commencer avec du petit matériel là, pour commencer. Tiens, je vais emmener le matériel tranquillement hors ligne. On va essayer. Je ne garantis rien. Bon, ça avance un peu. Un peu. Il y a 53 000, on va peut-être acheter un autre terrain. Petit 300 000, on a-tu les moyens de se payer 270 000, 304 000. Mais lui, es-tu prêt? C'est moins long de sauter dans la machine parce que l'herbe. L'ancillaire est payant, juste à ma plot, là. Mais lui, prêt pour la récolte, là, il est déjà prêt, lui, là. Parce que l'ancillage, il est bien.
betterave, c'est payant. Bah, c'est payant. Dans la Cilar, là, quand même assez payant. 277 de la tonne. Ça peut être très payant. On va acheter ce terrain-là. Le 10. Tiens, on n'a plus d'argent, les amis. Tout est flambé. Puis lui doit être prêt. On va suivre de l'herbe, les amis. Puis, dans le prochain épisode, on va se couper ça. On va ressembler pas mal à ça. On va se couper l'herbe, puis on va enrubanner ça, puis on va vendre ça. Puis on va s'amuser avec le course-play parce que. Faut que je leur découvre. Je me souviens plus. Je me souviens plus des touches. Notre live, en tout cas, je m'en souviens encore. Bon. Encore cette petite ligne là. Puis là, faut que je fasse de l'argent. C'est plate à dire, mais faut que je refasse de l'argent parce que j'ai pas d'engrais. Dépendeur d'engrais. Il est juste pour. J'ai pas dépendeur pour la chaux non plus. Où je rajoute le matériel là. Où je rajoute pour faire ce matériel là. On va être obligé de faire des missions. On va être obligé de faire des missions, les amis. On va être obligé de faire des missions. Un labourage, du pressage. Il fournit. Il fournit tout l'équipement. En 20, mais j'ai on va peut-être les faire, en tout cas, on verra. Parce que c'est sûr qu'il faut que j'en jette. Bon, là, en tout cas, on a 4 champs. On a installé un silo pour commencer. Tout va commencer tranquillement. Fais une petite ligne pour aligner. Non. Les former. Et pas peser sur le bas piton. Bon, ben, les amis, je vais vous laisser là-dessus. Là. Ça va être une quarantaine de minutes. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si vous, ça vous tente, ben, un petit pouce bleu. Je vais essayer de ne pas vous écœurer avec ça. Les pouces bleus, les fameux pouces bleus. Mais bon, ça a l'air que YouTube aime bien ça. Mais bon. Mais je fais mon petit train, va loin. Puis. C'est ça qui est ça. On est commencé sur cette partie-là. Puis on va essayer de faire évoluer cette partie-là. Je joue en masse alors.
J'adore cette map-là. Si je ne l'aimerais pas, je ne jouerais pas dessus. Bon, ben, merci beaucoup, les amis, puis à la prochaine.